Monsieur Noël. Bonsoir. Comment allez-vous? Pas mal. Pas mal? Ouais. Assez sobre ce soir. Ah, ouais. Ça vous va, le noir? Le noir, ça va très bien. Pas, de, pas très risqué. Pas de risque. Ouais. J'espère que, pour un mardi, j'espère ça que va vous très avez bien. Repassé votre sweatshirt pour demain. Le LA demain, vous l'aurez. Vous l'aurez, le LA demain. Le LA. Le LA gris. Alors. Ce soir, Anne-Sophie, j'aimerais avant toute chose rendre à César ce qui est à Patrick Cohen. Souvent dépeint dans mes chroniques, comme un rentier multimillionnaire pratiquant le journalisme en freelance entre deux parties de polo, Patrick m'a fait comprendre tout à l'heure en appuyant fortement avec la semelle de ses berloutis sur le bas de ma nuque qu'il avait préalablement coincé contre le trottoir, qu'il avait beau avoir énormément d'humour et d'autodérision, venait tout de même un moment où, ami ou pas, il me casserait la gueule. C'est donc au nom de la sauvegarde de notre amitié que je vous propose ce soir ce magnéto de commande intitulé Patrick a Beauty Full Mind, donc à faire, alors, qui se propose de rappeler à tout le monde qu'avant de perdre contre Maxime Swiatek au test de QI d'évidence trafiquée, Patrick était l'un des esprits mathématiques les plus brillants de son temps. Il avait même décroché la bourse Édouard Herriot après son bac C, c'est dire. Est-ce que je me plante pas là? Est-ce que 2000 milliards, ça fait bien 12 zéros? Patoche, a beautiful mind. 1000 millions. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est bon. C'est ça, mais bien sûr que c'est ça, Anne-Sophie. Mais il a raison de demain, Patrick passera aux divisions. À demain, Einstein. Oh, c'est facile. Je vous rappelle que c'est le teaser, Patrick. C'est vrai que ce n'est qu'un teaser. Ça veut dire que ne soyez pas présomptueux. On aura...